Oh bonjour, bonjour à toutes et à tous. Qui sait pas pourquoi on a mis un petit bruit. Un petit jingle. Ah parce que directement on a le... l'eau. Donc oui, en taille de carte grande. Bon, le problème d'avoir le condensateur des débuts, c'est que c'est pas du fer. L'eau sert à rien sans fer et il faut quand même avoir une belle quantité de oh mon dieu, de chance aussi. Et avec 3, je peux rien faire. J'ai tout bouffé comme un con. Moult abondance d'eau. Et 6, du coup on va pouvoir augmenter notre rayon laser je pense. On va faire autre chose. Ah ouais, alors les lières. Le problème c'est qu'elle est, voilà, s'il n'y a pas de piétons, le lierre sert strictement à rien. Le son.
Avec une taille de carte grande, évidemment, on veut du... de l'exploration. J'ai dit tiens, je vais aller à droite après et je vais à gauche. Pourquoi pas? C'est bien de, voilà, de changer d'avis, de pas être de partir avec une idée conçue, préconçue. Faut de l'improvisation dans la vie. Alors. 6. Peut-être un soin là. 7-4. Serait bien quand même de pas se traîner trop le boule. Donc soit ça, soit ça. Explosion. De saveur. Bon, maintenant, faut viser l'exploration et ou peut-être augmenter un peu plus le canon laser. Voilà, un petit carré système slash un booster de jetpack. Oh mon dieu, je voulais le mettre au moins sur le rebord. Bon non, le rayon laser ça peut attendre si il n'y a pas trop de volant. Incroyable, on est allé à droite. Et tout ça pour... je suis sûr qu'il y a... Okay. Des Doritos dans le coin. Ah. Et oui, évidemment. Au bord de la map, et il y a des Doritos. Bien connu. Dirigez-vous vers le bord de la Terre. Vous y trouverez aussi des Doritos. Est-ce qu'on n'aurait pas trop d'eau? Mais en même temps, une map grande, le téléporteur, est-ce que ce serait pas le bon plan? Ce convertisseur, c'est long. Bon, on va miser sur le fait qu'on... On trouvera pas trop d'eau par la suite. Et qu'on trouvera pas principalement du fer, évidemment.
Dans l'œil, bim. Ah là là. La puissance nous manque, comme qu'il y a. Allez, let's go. Ah là là, mais tous ces cailloux sont déjà beaucoup trop solides. Ceux-là, ils sont ok, mais... On n'a plus le temps. Bon, déjà, on prend pas le téléporteur en retour si on peut pas l'améliorer. Et on peut pas l'améliorer. Ok, ok. Dis-moi. Ça lui est passé à côté. Pas de fruits, pas de condensation. Par là-bas, on va dire. Oh là là, mon Dieu, cette projection de fer. On a dû tenter avec un de plus. On peut améliorer le téléporteur, le problème c'est qu'il est à perpète, donc on va tendance à améliorer juste ça en vrai. Ah ouais, alors du coup, l'amélioration... Ah mais non, oui, non, c'est un autre gadget qu'on peut trouver dans les tréfonds du... Oui, on n'a jamais... On n'a jamais eu l'autre gadget qui... Non. Je terminerai mes phrases après. Je sais plus, il y avait un gadget où il nous immunisait pendant X tours. Et ça, on l'a jamais eu. Du coup, comme celui qu'on vient de débloquer, là, qui a... Après, je sais pas pourquoi il avait le skin du verger, donc il marche qu'avec le verger. Ou alors c'était vraiment une branche dans le dans l'amélioration, mais j'ai pas eu l'impression. Enfin, faudrait que je regarde. De l'eau, mais non, mais de pourquoi je forge de l'eau? Je forge mine. C'est long. Ok. Bon, il n'y a jamais le téléporteur. Comme ça, on ira à droite. 3, 6, 2. Le fruit est là. Bah, le problème, c'est que. Il est là. Ouais. On n'a rien pour l'améliorer, donc. Donc, non, tant pis. Tant pis! À chaque coup, je me fais avoir dans ce sens-là. Je vais trop loin.
Ok. Peut-être un peu trop de Doritos. Sacrifier du fer, j'aime pas trop ça, mais bon. En vrai, on aurait pu davantage sacrifier le Doritos. C'est dommage qu'il y a moult boutons sur une manette. Ce serait bien d'avoir une manette, genre. Là, tu sacrifies. Vu qu'en plus, il n'y a que 3 ressources. Tu donnes la priorité à quel câble tu détaches. C'est un ingénieur, bordel. Pourquoi il n'a pas des câbles intelligents? J'aurais pu le décapiter avant. Mais il est mort celui-là. Et du coup je me prends la max pour rien. Allez, un petit quelque chose, s'il vous plaît. Oh mon dieu. Il y a tout été là, dans la terre friable. On se fait aller dans la terre pas friable et au final... Ok, avec 6, de toute façon on peut pas trop augmenter notre puissance défensive slash offensive. Donc Doritos déjà pour soigner. Et attendre pour pouvoir farmer davantage, ou slash le laser. Donc là on est obligé de serrer les fesses. En plus on a rien qui va se prendre dans les... dans les plantes. J'essaie d'enlever le son et au final je le rajoute. Artefact ou fer, c'est ce qu'on veut ramener. Mix des deux, mais bon. On a économisé, on sait qu'on a, je crois, 7 de fer. On va pouvoir augmenter les carrés système ou les propulseurs à 12. Ou on augmente le laser à 10 slash 12. C'est quoi? Ah, le monte charge, une grande carte. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de ça? Slash le laser étourdissant pour nous aider à moins prendre la max. Ouais, j'ai le monte charge. Va falloir le booster, hein. On a le téléporteur et le monte charge, c'est ça que j'ai fait. Oui, pourquoi pas. On part du principe qu'une grande carte, faut tout mettre. Thank you.
prendre tout mettre. Je pense qu'ils ont bien tout mis là. De l'eau, de toute façon, on en a trop, on a un condensateur, donc... Ah, la bombe, c'est vrai qu'elle a... Elle nous sauvait bien le fion, hein. Peut-être falloir tenter un jour de faire ces trucs-là, téléportation de ressources. Du coup, vous allez me dire que le monde charge sera plus grand chose, à part nous, nous faire monter nous plus rapidement. Mais après, on peut se re-téléporter dedans. Ouais, peut-être que c'était pas intelligent le monde charge, plus le téléporteur. Les orbes, on va pas trop les utiliser. Alors on va tester. On avait encore pas trop testé, puis de toute façon je pense que cette reine n'ira pas beaucoup plus loin. Il faut regarder comment ça se comporte, sinon on saura jamais. Ça marche comment? C'est une ressource tous les 10 ans? C'est vraiment une ressource quand il le veut quoi. À l'intérieur du Space Elevator aussi, ça indique le milieu. Carré de distance, du coup il est trop loin le... Ah non c'est bon, il arrive quand même à le choper.
C'est bien de me foutre un comme ça parce que ça se fait one shot quand même par les racines. Il le considère suffisamment puissant pour pas mettre davantage d'ennemis. Donc c'est très bien. Je me suis complètement éloigné à chaque coup. Là, j'ai cru que je m'étais suffisamment décalé à droite, et en final, pas du tout. Ok, donc le téléporter les ressources, c'est quand même bien. Faut pas, y a pas à chier. Il y a les pires. Et pendant qu'on mine, lui il absorbe tranquillou. Suite. Ce qu'on économiserait. Enfin. Ça c'est fort. Après on a un bon carry système donc ouais, en vrai c'est fort aussi quand même. Se re-téléporter dans l'autre sens. Du coup là on enlève complètement l'intérêt de l'élévateur du milieu. Pas eu de chance, le gorille est passé outre les lianes. On va prendre le fruit.
Sinon, les ressources, elles sont où? Où est le centre? Là-bas à droite. On est beaucoup trop en retard. Et on va se reprendre, prendre la max. Moi, je pense que c'est le game over. Game over. Ces petits saloupiers-là qui jouent à 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. C'est passé. Acheter le TP back pour éviter de se retaper ça. Mais là, c'est plutôt la défense qu'on voudrait. Le soin. Le problème, c'est que le soin, ça coûte beaucoup trop cher. Ah, on y est peut-être bientôt. Non, c'est même pas un soin. Le soin, c'est ça. Bon, après, ça va ensemble. Mais après, la foreuse, elle est. Et comment ça va devenir essentiel? J'ai plutôt peut-être foreuse, donc à 12. Si je vois pas le lendemain aussi. Pu jouer l'optimisation et dire je prends le dégât, tech damage to set time, mais on va dire non. J'hésite à mettre le boost sur le Space Elevator là, qui peut nous servir là, mais si on remet le TP back. Alors le laser étourdissant ou la transformation en cobalt. Ah. C'est-à-dire sur le long cours, ce serait le laser étourdissant, mais est-ce qu'il y aura un long cours? Ça, c'est encore toujours les grandes questions. Thank you.
c'était bien de la merde ce que j'ai fait. J'ai jamais pas réussi à prendre l'eau. 6-7 et toujours pas de soins de Doritos. Donc du coup, rien, j'aurais tendance à dire, faut économiser. Ou alors ça. Je sais pas à quel point il m'aide en fait. Ou il me fait plus chier. Je commence à me poser la question. Oh, ce défonçage de rectum. Rip. Avec le doux bruit du laser, le temps de choisir. Le téléporteur est fort, mais à bas niveau, je vois pas trop l'utilité. C'est le temps qui TP les ressources. Mais après, on peut. On peut.